Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche jubilaté. Nous commençons avec l'introïde prévue pour ce culte. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie. Et il n'a pas permis que notre pied trébuche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dieu a ressuscité Jésus et l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, pour donner la repentance et le pardon des péchés. Recevez donc le pardon de vos péchés par votre confession de péché et votre confession de foi en Jésus-Christ. Je vous annonce la grâce de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, vous pardonne de tous vos péchés et de votre nature pécheresse et vous conduise à la vie éternelle. Allez en paix. Amen. Prions. Dieu vivant, tu as rappelé d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous reconnaissions la voix du bon berger et que nous le suivions, en sorte que ni le péché ni la mort ne nous arracheront de tes mains. Qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche jubilaté, tout d'abord dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 27 à 42. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelques-uns et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire.
ne couraient pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la lecture de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. » Les quatre êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez enfin l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église,
Prions. Seigneur Jésus, Pierre et les autres apôtres prêchèrent la bonne nouvelle et témoignèrent que tu es ressuscité, que tu es assise à la droite du Père et que tu règnes depuis le ciel. Que nous écoutions ta parole et recevions ton Esprit Saint. Donne-nous le courage de nous opposer aux hommes qui ne se soumettent pas à toi, mais de vivre pour te plaire, afin que nous obéissions à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. La parole de Dieu que nous allons méditer aujourd'hui est la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Quand Pierre et les autres apôtres étaient devant le Sanhédrin, l'assemblée voulait les mettre à mort, de la même manière qu'elle avait condamné le Seigneur. Pourtant, l'un des chefs des pharisiens, un rabbin respecté appelé Gamaliel, prit la parole. Il encouragea l'assemblée à ne rien faire à leur égard, disant que d'autres groupes avaient essaimé après la mort de leur maître. Gamaliel avait raison. Souvent, après la mort d'un leader dynamique, ses adhérents ne sont pas en mesure de faire avancer son projet. Suite à la mort de Jésus, les disciples se seraient certainement disséminés comme l'avaient fait ceux qui suivirent les deux hommes auxquels Gamaliel fit référence. Le jour de la résurrection, les disciples se cachèrent. Ils n'avaient pas l'intention de suivre les traces de Jésus et d'être crucifiés. Ils n'allèrent pas se confronter aux soldats chargés de garder le tombeau pour voler le corps de Christ. Ils n'étaient pas prêts à mourir. Si Jésus n'était pas ressuscité, ils auraient trouvé un emploi ou seraient retournés à leur ancien métier. Point barre. Mais ce que Gamaliel ne savait pas, c'était l'influence que la résurrection de Jésus avait eue sur les apôtres. Ils ne suivirent pas les traces d'un chef mort. Jésus est vivant et les conduisait par son Esprit Saint. Jésus était venu vers eux pour qu'ils aient la certitude qu'il est ressuscité, pour qu'ils sachent qu'ils devaient continuer à prêcher et à pardonner en son nom, et pour que leur foi soit renouvelée. Le dimanche suivant, Jésus leur apparut une deuxième fois, cette fois pour que Thomas voie et croie lui aussi. La troisième fois que Jésus se montra aux disciples, c'était en Galilée. Souvenez-vous que Jésus avait dit aux femmes que les disciples devaient l'attendre en Galilée? Nous ne savons pas combien de temps s'écoula entre la deuxième et la troisième fois durant laquelle Jésus se révéla aux disciples. Mais dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, Jésus les rencontra pour la troisième fois au bord du lac de Galilée. Pour les disciples de retour en Galilée, il est probable qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils allèrent à la pêche, retournant au métier qu'ils connaissaient. Semblable à l'autre fois où ils avaient travaillé tout au long de la nuit sans attraper de poisson, Jésus les encouragea à jeter leur filet de l'autre côté de la barque. Ils obéirent et les filets furent pleins. Ils prirent 153 poissons. Jean dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Pierre, « Nous ne pouvons pas attendre que la barque parvienne au rivage
se jeta dans le lac et nagea vers Jésus. Au cours des 40 jours entre sa résurrection et son ascension, Jésus se montra à ses disciples et les prépara pour qu'ils réalisent le projet pour lequel il les avait formés. Être ses témoins. Ils n'hésitèrent pas quant à leur témoignage. Ils ne changèrent pas d'avis. C'est pourquoi ils n'arrêtèrent pas d'enseigner au nom de Jésus, même après qu'on leur eut interdit de le faire. C'est une chose d'être prêt à mourir pour la vérité. C'en est complètement une autre de donner sa vie pour un mensonge. D'après ce que vous connaissez des apôtres dans les évangiles, ont-ils l'air d'être des zélotes prêts à se sacrifier pour une cause qu'ils savent être fausse? Pas du tout. Chuck Colson, l'un des hommes emprisonnés pour le scandale Watergate aux États-Unis, écrit « Je suis certain que la résurrection est un fait historique et Watergate m'en a donné la preuve. » Comment? Parce que 12 hommes rendirent témoignage qu'ils avaient vu Jésus ressuscité de la mort. Et ils proclamèrent cette vérité pendant 40 ans, ne la reniant jamais. Chacun d'eux a été battu, torturé, lapidé et jeté en prison. Ils ne l'auraient pas supporté si cela n'avait été vrai. Watergate a impliqué 12 des hommes les plus puissants du monde. Ils ne purent soutenir un mensonge pendant 3 semaines. Vous me dites que 12 apôtres ont pu garder pour eux un mensonge pendant 40 ans? Impossible. Ce furent la certitude que Jésus est ressuscité et qu'il avait vaincu la mort qui rendirent les disciples inébranlables. Jésus fait de ses disciples, y compris de vous et de moi, un peuple formé par Pâques. Le fait que Jésus ait vaincu la mort change notre façon d'être. Vous avez été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Et vous allez être ressuscités par une résurrection semblable à la sienne. Vous êtes fils et filles du roi, co-héritiers avec Christ du royaume qui n'aura pas de fin. Dieu vous pardonne et la loi ne peut plus vous condamner. Dieu s'occupe de vous et donc vous avez été libérés et vous pouvez vivre pour d'autres. L'amour de Dieu et la résurrection de Christ ne vous permettent pas d'être indifférent, de vous cacher, de plaire aux hommes plutôt que de servir le Dieu vivant. Que dit Pierre aux membres du Sanhédrin? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Beaucoup de gens veulent devenir justes en adoptant les opinions du moment et de la majorité. Voyez avec quelle rapidité les sujets du jour changent. L'année dernière, au Canada, les gens étaient scandalisés par les événements qui ont eu lieu dans les pensionnats de l'Église. Maintenant, on n'en entend plus parler. Il y a 2 ans, les gens soutenaient Black Lives Matter aux États-Unis. Qu'est devenu de cette organisation? Les chefs se sont enrichis et se sont achetés de grandes maisons. Ils n'ont rien fait pour améliorer la vie des gens de couleur. Il y a quelques années, le mouvement des Gilets jaunes s'organisa.
Maintenant, on n'en parle plus. Il y a quelques jours, un journaliste s'est approché de Elon Musk et lui a dit que l'argent qu'il va payer pour acheter Twitter aurait pu être donné aux œuvres de charité pour améliorer la vie des gens. Musk s'est défendu en expliquant comment ses compagnies essaient de faire de bonnes choses pour l'humanité. Tesla crée des voitures électriques. Starlink donne accès à Internet, en particulier en ce moment pour les Ukrainiens, mais dans des régions qui sont difficiles à accéder. Pour nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas pour plaire aux hommes, pour liker les avis qui sont la mode dans la société. Oui, nous nous lamentons de ce qui s'est passé dans les pensionnats. En tant que chrétiens, nous rejetons le racisme, non pas parce que c'est l'attitude du moment, mais parce que la parole de Dieu le condamne. Oui, nous répondons aux urgences et aux crises humanitaires, comme celle en Ukraine. Pourtant, nous ne sommes pas des vertueux parce que nous avons adopté ce que la société nous encourage à soutenir. Notre justice vient de l'extérieur. Elle est un don du Dieu qui ne change pas. Sa parole et ses commandements sont éternels. Et Dieu œuvre en nous pour que nous soyons motivés par l'amour de nos prochains. Ce n'est pas les autres qui disent ce qui est bon, qui disent si nous sommes bons ou pas. Dieu lui-même dit ce qui est amour, ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est Christ qui nous déclare juste. C'est pourquoi Pierre prêcha, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Jésus règne d'en haut. Il est vivant. Il est le Sauveur, pas seulement des Juifs, mais de toute l'humanité, de vous, de votre époux ou de votre épouse, de vos enfants, de vos parents, de vos voisins, des étrangers que vous ne connaissez pas, et oui, même de vos ennemis. C'est la raison pour laquelle les disciples persévérèrent et prêchèrent même à ceux qui rejetaient leur enseignement et pouvaient les tuer. La résurrection de Jésus vous donne du courage face aux épreuves. Il vous rend confiant parce que vous savez que même si vos projets échouent, vos efforts n'ont pas été inutiles. Vous êtes pardonné, alors vous n'avez rien à craindre. Luther écrit, « Dieu ne sauve pas les personnes qui ne sont pas des pécheurs fictifs. Soyez pécheurs et péchez avec audace, mais croyez et réjouissez-vous en Christ avec encore plus d'audace. Car il est vainqueur du péché, de la mort et du monde. Tant que nous serons ici dans ce monde, nous devons pécher. Cette vie n'est pas la demeure de la justice. Mais, comme le dit Pierre, nous attendons un nouveau ciel et
une nouvelle terre où la justice habitera. Quant à Gamaliel, il a eu raison. Si le Sanhédrin s'était opposé aux disciples, ce n'aurait pas été eux qu'ils auraient combattu. Ils auraient lutté contre le Dieu vivant et ils n'auraient pas pu gagner contre lui. Jésus promit que les portes du séjour des morts n'emporteront pas sur l'Église. Les apôtres furent fouettés, avec l'interdiction de parler au nom de Jésus, et relâchés. Mais ils n'obéirent pas aux hommes du Sanhédrin. Ils obéirent au Seigneur et se réjouirent d'être dignes, d'être maltraités pour son nom. Ils ne cessent pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et vous aussi, vous êtes un peuple de Pâques, renouvelé et vivifié pour servir votre prince et sauveur, qui vous donne la repentance et qui vous pardonne. N'obéissez pas aux hommes qui vous demandent d'agir en opposition à Dieu. Obéissez au prince et sauveur qui a été cloué sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et qui viendra pour juger les vivants et les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Père céleste, tu as permis à Pierre et aux apôtres d'être maltraités pour le nom de Jésus. Au fil des siècles, certains de tes fidèles ont souffert pour la même raison, plusieurs d'entre eux devenant des martyrs. Nous intercédons pour ceux qui sont maltraités aujourd'hui à cause de leur confession de foi et demandons que tu les fortifies, afin qu'ils ne cessent pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que ceux qui les écoutent se convertissent et soutiennent la prédication de ta sainte parole, et que ceux qui les persécutent aient un changement de cœur, comme tu as fait pour Paul. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Jésus, tu as obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes et as été tué en étant cloué sur la croix. Nous sommes heureux de ce que le Père t'a ressuscité et t'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous te demandons de perpétuer cette œuvre parmi les descendants d'Abraham et que tu donnes un changement de cœur à nos proches, à nos voisins et aux gens de nos communes. Fortifie-nous pour que nous soyons courageux quand les gens s'opposent à nous qui croyons ta parole. Ainsi, nous prions pour le bon déroulement de la fête des missions à Schillersdorf dimanche prochain et demandons qu'à travers elle, nous devenions plus motivés à soutenir la prédication de la parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Seigneur, nous te rendons grâce de ce que nous puissions te servir en rendant service aux autres par nos actions. De la même manière que tu as béni les disciples avec une surabondance de poissons, nous demandons que tu soutiennes notre économie. Donne aux employeurs des employés fidèles, les matériaux nécessaires pour la production des biens, le savoir-faire pour fabriquer des objets de qualité et les moyens de les transporter et de les distribuer. De même, nous prions pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent un. Conduis-les pour qu'ils trouvent un emploi qui utilise leurs compétences, sert le bien-être commun et leur permet de gagner assez pour s'occuper de leur famille et d'eux-mêmes. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre Créateur, tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main
et tu combles de bien tout ce qui vit. Nous te demandons de nous donner notre pain de ce jour. Au-delà de la nourriture, donne-nous aussi tout ce dont nous avons besoin pour entretenir cette vie. Nous prions aussi pour ceux qui vivent dans la pauvreté. À cause des événements en Ukraine, on prévoit que le manque d'engrais produira une pénurie de blé dans les mois à venir. Aide les agriculteurs et veuille donner une récolte abondante, car c'est toi qui fournis la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit Saint, c'est toi qui suscites les vocations pastorales. Nous demandons que tu prépares les futurs pasteurs de notre Église pour qu'ils soient en mesure de soutenir la foi de tes fidèles et de prêcher la bonne nouvelle aux autres. Sois avec ceux qui finissent leurs études dans les séminaires à travers le monde. Soutiens-les pour qu'ils soient en mesure de proclamer la bonne nouvelle dans leur pays. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous confions tous ceux pour qui nous prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.